Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 102 de notre aventure 100% sur Fire Emblem Warriors. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait commencé le scénario, le héros du désert en mode, enfin le roi héros du désert en mode normal, qu'on va terminer aujourd'hui, hein, évidemment, on va le finir aujourd'hui. Et donc du coup, bah, les amis, let's go. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit point là-bas. Donc on va quand même juste histoire de l'affronter. Genre il y a un ou deux ennemis. Tac. C'est bon là. Voilà, on les a calmés. Tac. Bah y'a plus rien. Évidemment il reste un ennemi à la con. Ah bah y'a plus rien. Bah y'a plus rien. Il reste toujours un. Tac. Allez go, nous y allons. On va utiliser Camélia, je pense, pour l'éliminer. Ok, donc là il y a du monde. Déjà, on est assez cheaté avec Camélia. Tac. Mars au plus vite. Voilà. Okay. Voilà, je pense que là il n'y a plus personne. Hein. Non, il n'y a plus personne, mais écoutez, on a fait le perfect. Hein. On a fait le perfect. Allez, go, Marf. Allez, Camilla. Perso. Oh, il fait un coup fatal en même temps qu'elle m'a mis un dégât. Wow, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oh putain, je crois que le coup de... Quand il y a eu le lag, je me suis dit, oh putain, je crois que... je crois que ça a craché, enfin, ou que j'étais mort. Il n'y avait même plus la barre de vie ni rien, quoi. Je me suis dit, oh putain, c'est fini. Mais on l'a fait. Vous avez gagné, plus besoin de jouer le mercenaire. Puis-je rejoindre vos rangs? Vous êtes plus qu'un simple mercenaire. En effet, l'armée de Griston a recruté un mage noir du nom de Valdar. Afin d'en savoir plus, j'ai infiltré leur rang. J'ai appris qu'ils accomplissaient un rite à un endroit nommé l'Hôtel du Dragon. Veulent-ils réanimer le Dragon du Chaos, comme le suggérait le sage du Temple? Si c'est le plan de mon père, je dois me l'en empêcher. Un instant, quelle est cette histoire du Dragon du Chaos? Et voilà où nous en sommes, je vois. Et vous pensiez que je disposais moi aussi d'un luxurite. Bien sûr, le roi Hieromarf en avait forcément un, pas vrai? Notre objectif principal ne consiste-t-il pas à contrarier les projets du Valdar? Tandis que nous gaspillons notre temps, ici, il achève peut-être le rite. Marf a raison. Nous devons partir sans attendre si nous voulons arriver à temps. Même si cela doit me conduire à brandir mon épée face à mon propre père. Et voilà. Thank you. Héros Frédéric, ok. Je me suis simplement donné à 110%. Ok, 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 ok. Avec 19 haches de capitaine, 12 lances de capitaine, une épée de capitaine, une bouclier de chevalier, un masque de hors-la-loi, qui est d'ailleurs tout nouveau, 2 blastrons d'archer, 3 casques de combattant, 12 gants de combattant, 2 casques de soldat, 10 ceintures de soldat, et une machette de Lucina. Bien. Ben écoutez, du coup, dans l'épisode prochain, on partira dans l'hôtel du dragon en mode normal. Donc on va quand même aller voir ce qu'on peut faire dans l'éventail. Enfin, dans l'emblème. Dans l'emblèmerie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'emblèmerie, à votre avis? Ah, soyez bien vigilants. Fury 3, la jauge guerrière se remplit beaucoup plus vite. Seul requin, une livre de Darine sur 9, 3 casques de combattants sur 3, et 5 ans de combattants sur 140, et 3 milliq. Créer Fury 3, oui. Emblème créer Fury 3.
Ok, est-ce qu'on a autre chose à faire? Non, ici, emblème de défense. Tatatatatatac. Tatatatatac. Non. Hé hé! Lance 3 diminue modérément les dégâts infligés par les lances. Seul requin, casque de soldat sur 2, 2 ceintures de soldat sur 74 et 2 lances de capitaine sur 330 et 3 000 IQ. Créer lance 3, oui, emblème créer lance 3. Ok. Prière 1 permet de rééchapper à un coup mortel avec un point de vie. Seul requin, un casque de soldat sur 1, une ceinture de soldat sur 72 et 9 lances de capitaine sur 328 et 1000 IQ. Créer prière 1, oui, emblème créer et prière 1. Et ça serait bien de le mettre avec Elise aussi, le magister. Mais lequel? Il y a trop de choses à faire dans ce jeu. Comment voulez-vous? Non mais vraiment, comment voulez-vous? Ils ont abusé sur la sur les nombres de badges et tout à faire dans le jeu. Avec chaque perso. Y a rien là, sinon. Non, amélioration. Tac, 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 tac. Ok, 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 non y'a rien. Mais je suis con, j'ai même pas scanné nos amiibo. On va scanner les amiibo après. Hein. Ok, donc scanner nos amiibo, extra. Ah oui, je vois. Vous avez réussi un cas d'amiibo, 5000 IQ. Why not? Vous avez réussi un cas d'amiibo, 50 000 IQ. Bah putain, bah ça va être parfait pour l'épisode 200 quand on va pouvoir mettre à jour tous nos persos. Vous avez réussi un cas d'amiibo, une lance d'argent. Vous avez réussi un cas d'amiibo, un arc d'argent. Vous avez réussi un cadamibo, une lance d'argent. Écoutez, bah, on va pouvoir s'arrêter là du coup. Du coup, bah, dans le prochain épisode, comme je vous ai dit, on ira tout simplement dans le mode histoire dans lequel on ira se rendre à l'hôtel du dragon, le chapitre 5. Voilà, donc on fera l'épisode 103 là-dedans, peut-être même 104, on verra le temps que ça vraiment ça prend ou quoi. Et du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Et encore merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 103 et 102, pardon. Et on se dit à l'épisode 103. Allez, d'ici là, bah, du coup, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.